tout le monde! Alors aujourd'hui, petit haul, nous sommes partis faire une séance de shopping avec Elsa cet après-midi. Oui, toute l'après-midi. Toute l'après-midi, nous avons fait le tour en fait d'un centre commercial que nous avons autour de chez nous qui À s'appelle Angers. le centre commercial L'Atoll à Beaucouzet exactement. Ah bon? Je vais essayer de rendre la qualité de la vidéo à peu près potable. Le souci, c'est que je n'ai pas de support pour poser le téléphone sur le pied. Et que ma perche est cassée. Donc nous allons essayer de faire avec, avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire mon portable. Voilà, donc on va vous présenter un petit peu tout ce qu'on a acheté cet après-midi. Alors à la base, il faut savoir qu'on était parti pour acheter un Bombers, parce qu'Elsa m'avait demandé pour avoir un Bombers, sauf qu'en fait, qu'on se le dise, ce n'était pas du tout un Bombers qu'elle voulait, c'était en fait un Teddy. Donc finalement, nous avons trouvé un Teddy, mais pas de Bombers. Mais ça n'empêche pas que du coup Elsa est contente, donc elle va vous montrer ce qu'elle a acheté. Du coup, alors on cherchait également une ceinture aussi pour Elsa parce que en fait elle n'a pas de ceinture et comme à présent elle porte ses t-shirts dans les pantalons, c'est quand même plus joli avec une ceinture. Donc voilà, vas-y Elsa, présente ce que tu as trouvé. Donc, alors, je vais d'abord présenter ce que j'ai eu chez Tape à l'œil. Donc, j'ai eu. Maman m'a acheté un bracelet. Ce bracelet-là à moins 60% avec celui-là. Moins 60% aussi. Moins 60% aussi. Ensuite, maman m'a acheté un Teddy. Le fameux Teddy. Que moi Alors, j'adore. il aurait été bien de le fermer en fait pour le montrer, c'est pas grave. D'ailleurs, je sais même pas combien je l'ai payé. 24,99 quand même. Je l'ai acheté en fait sans même avoir regardé le prix. C'est horrible de faire ça. Donc, maintenant je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez Donc ça, c'était Gémeaux. chez Tape à l'œil, Voilà. le Teddy et les bracelets. Ensuite, on est allé chez Gémeaux parce que nous ne trouvions pas cette fameuse ceinture que nous avons finalement trouvée chez Gémeaux. Donc une ceinture un peu assez Voilà. jolie, hein, avec une Ouais. petite tresse sur l'extérieur. Donc voilà. Et Et j'ai chez Gémeaux, elle a trouvé un superbe t-shirt. que j'adore. Voilà. Voilà le t-shirt. Donc c'est très joli, très féminin, donc elle est très contente de son achat. Oui. Voilà. Donc après On être a eu. allé chez Orchestra, Tape à l'œil, on avait fait, je sais même plus ce qu'on a fait comme magasin, mais on trouvait rien. On Donc a en été fait, chez Babou. on est allé chez Babou. Et chez Babou, en fait, on a trouvé pas mal de choses parce que demain, Et maman, je nous allons. Ah oui, chez J'ai Gémeaux, je me joué. suis acheté des petits bijoux aussi, je peux vous les montrer. Je peux vous les montrer. Je me suis acheté des boucles d'oreilles, une petite bague fantaisie, voilà, rien d'extraordinaire, et un collier que je vais vous présenter dans ce sens-là, puisque le côté, alors faut que ça arrête de balancer surtout. Voilà, en fait, il y a des brillants dessus, on voit pas très bien, mais c'est avec des brillants. Voilà. Donc ça, c'était chez Gémeaux. Donc ensuite, nous sommes allés chez Babou. Et chez Babou, je me suis trouvé une brosse à brushing pour 2 euros. Je suis trop contente. Et comme demain, nous nous apprêtons à fêter réellement comme il se doit les 3 ans de Marceau, puisque Marceau a pris 3 ans dimanche. Et en gros, on lui a fait un anniversaire à la va-vite. Franchement, c'était abusé. Du coup, on s'apprête à lui faire un anniversaire sur le thème Mickey, puisqu'il est fan de Mickey. Que nous allons faire demain après-midi avec des amis qui viendront avec leurs enfants pour que Marceau puisse avoir des copains. Donc j'ai acheté des ballons. Alors là j'ai pris un paquet de couleurs variées, mais c'était juste pour avoir les rouges en fait, parce que j'ai pas trouvé de ballons rouges. J'ai trouvé des ballons noirs, donc noir et rouge pour Mickey, vous avez compris. J'ai acheté le petit ballon parce qu'il a 3 ans. Et puis après, c'est voilà, ce que je n'ai jamais chez moi, de la vaisselle jetable. Tout simplement parce qu'on va être très nombreux. En fait, demain, j'ai invité mon amie Perrine qui vient avec ses 6 enfants. Et j'ai invité aussi mon amie Caroline, mais a priori, elle n'a qu'un seul enfant avec elle. Donc, on verra. Elle n'est d'ailleurs pas sûre de venir, donc on verra demain. Je leur demanderai d'ailleurs si elle m'autorise à filmer, étant donné que je mettrai la vidéo en ligne pour faire... un petit vlog sur l'anniversaire de Marceau. Et du coup, nous sommes allés dans mon magasin préféré. D'ailleurs, quand je vais à l'Atoll, c'est essentiellement pour ce magasin que j'y vais. C'est Zodio. Le magasin Zodio, c'est juste ma caverne d'Alibaba.
J'adore. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Oh, excusez-moi pour la main. Ce que j'ai trouvé chez Audio. Alors déjà, juste pour mon petit loulou, je lui ai pris un petit serre-tête Mickey. Grâce à moi. Qu'il puisse avoir. Oui, c'est Elsa qui l'a trouvé, en fait. Moi, je ne l'avais même pas vu. On lui a trouvé... alors, de la pâte à sucre, évidemment, pour faire le gâteau. Rouge. Le disque Azim. Alors, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu parce que ça, c'est... juste Mickey et ses amis. C'est Mickey et ses amis top départ. Donc, c'est pas vraiment ce que lui, il regarde. Mais bon, il y avait un Mickey dessus, mais j'ai trouvé que ça. J'ai acheté un petit feutre pour écrire son prénom sur la pâte à sucre. C'est un feutre alimentaire, hein, je vous rassure. Et puis, la bougie Mickey. Voilà, donc avec tout ça, si on n'arrive pas à lui faire un bel anniversaire demain, je ne comprends pas. J'espère vraiment qu'il sera content. Et que il va passer une super journée. Donc voilà, on refera une vidéo demain. Ah oui, chez Audio, oui, Elsa me fait signe. T'as oublié ça. Elle a, en fait, à la caisse, elle m'a fait un petit caprice pour avoir des chaufferettes. En fait, montre tes chaufferettes. Voilà, donc elle est très contente avec ses chaufferettes. Ouais, de l'autre côté, il y a des petits messages. Quelle vie formidable et quelle vie formidable. Voilà, on s'est écrit en anglais, évidemment. Donc voilà. C'était nos petits achats de la journée, donc ce haul n'aura pas duré longtemps, je le clôture à présent. Et je vous refais du coup un vlog demain pour les 3 ans de Marceau, en espérant vraiment qu'on va passer une bonne journée. Donc je vous dis à très bientôt pour la vidéo vlog. À demain!